Alors, je prends vite cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un petit vlog. Alors, je ne sais pas pour le moment parce que je ne suis pas encore à l'école. Si ça vaut le coup de savoir un petit peu de vidéo, mais j'avais envie en tout cas de vous montrer un petit peu l'événement auquel je vais ce soir, qui est la première de The Walking Dead, la saison 8 au White Cinema de Fossil Docks. Donc là, c'est la première fois que j'y vais au White Cinema. Enfin, je suis déjà allée, mais je ne suis pas allée pour voir un film. Et Walking Dead, bah, c'est une de mes séries préférées, donc je vais être trop hâte et je voulais absolument y aller. Donc on verra ce que ça veut. Alors si vous ne le savez pas, je n'habite pas à Bruxelles et c'est toujours pour moi un trajet à faire quand je vais aller à Bruxelles. Et là je suis à la gare du Nord, qui est ma gare, la gare que je préfère le moins dans tout Bruxelles. Et je vais prendre un ticket, ça fait super longtemps que j'ai pas pris un ticket et je me rends compte que ça coûte encore super cher. Je me rends pas compte parce qu'avant j'avais les transports gratos, donc c'était plus facile. Mais voilà, et donc là je vais prendre le tram 3 pour être là de m'arrêter à Docks. Donc voilà à Docks. Alors la dernière fois que je suis venue chez Docks, c'était pour l'ouverture, je pense. Et après, je crois que je ne suis pas revenue, mais voilà. Donc je suis à Docks pour le White Cinema. Alors je suis à je sais pas quelle entrée de Docks en fait, et je dois rejoindre mon cousin qui est une amie d'une amie et qui va venir donc à l'avant-première avec moi. Sauf que je ne sais plus où est l'entrée. Par là, je crois. Je sais plus, ça fait trop longtemps que je suis venue en fait. Évidemment, vous m'aidez dans un centre commercial, ce que je fais, c'est du shopping. Alors je viens d'acheter un petit chapeau, un petit béret, et là je suis juste chez Kiabi. L'épisode était très bien, mais on a eu un petit problème dans les diffusions et tout, et ils ont trouvé que c'est le DVD, c'était un peu chiant. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé, l'épisode était super chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Me revoilà, je suis rentrée à la maison. Alors, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, parce que vous n'avez pas tout vu pendant ce vlog, vous avez vu bien sûr l'ambiance, les animations, etc. Mais ce que vous n'avez pas vu, bien sûr, c'est le visionnage de l'épisode. Alors, tout simplement parce que BTV ne voulait pas qu'on prenne le smartphone dans la salle de peur qu'on voit des images. Sauf que c'était un petit peu inutile étant donné que l'épisode est sorti cette nuit, du moins la nuit d'avant, et était déjà disponible sur l'internet depuis ce matin, en torrent, dans streamer, dans ce que vous voulez. Et du coup, plein de gens l'avaient déjà visionné. Enfin, probablement pas les gens qui étaient dans la salle, mais je veux dire, sur internet, il y avait plein de gens qui l'avaient sûrement déjà vu. Sauf que pour BTV, ce soir c'était une avant-première parce que eux le diffusent juste à partir de demain, et du coup ils voulaient pas qu'on prenne l'image.
on a dû donner notre smartphone en échange de bonbons et d'un ticket pour récupérer le smartphone pour pouvoir rentrer dans la salle. Alors dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, il y a eu un petit quiz au Walking Dead. Et chaque personne qui répondait bien aux questions qui ont été posées recevait un pop de Walking Dead. Il y a eu, je pense, 5-6 questions. Et ensuite, il y a eu juste un petit discours d'une dame de chez BTV qui voulait juste présenter un petit peu la chaîne et les séries qu'ils peuvent diffuser en exclusivité. Par exemple, elle parlait d'une exclusivité HBO, etc., etc., etc. Et ensuite, on a commencé le visionnage donc de cet épisode 100, le premier de la saison 8. Et là, au bout d'un tiers de l'épisode environ, je pense, gros couac, l'épisode cale complètement. Il ne s'arrêtait pas de sauter, il laguait, enfin ça allait pas du tout. Bien sûr, on s'est mis à crier dans la salle, évidemment. Et là, ils ont été, je pense, si j'ai bien compris, ils ont été changer le DVD pour qu'on puisse reprendre de manière normale. Sauf que franchement, c'était vraiment, vraiment chiant parce qu'on a été coupé dans notre élan. C'est quand même le season première de la saison 8, un épisode super attendu avec Negan et... être coupé comme ça en plein élan pendant une scène hyper importante, on n'a rien compris, bien sûr on est revenu en arrière après, c'était embêtant. Après l'épisode a continué tout à fait normalement et je trouve que il est passé super vite parce que c'était super agréable de regarder une série dans une salle de cinéma sur un grand écran avec du bon son, bien mis dans le fauteuil, etc. Franchement, c'est super agréable. Et d'ailleurs, je me disais que si plus de cinéma faisait ce genre d'event pour différentes séries, franchement, je pense que ça cartonnerait. Bien sûr, ça dépendrait du prix, mais franchement, c'est vraiment une super idée de faire des séries dans le cinéma. Et voilà. Donc ensuite l'épisode a continué normalement et on est sorti de la salle, on a récupéré le smartphone et ensuite on est revenu à la maison. C'était plutôt sympa, c'était la première fois que j'allais au White Cinema. Bien sûr je connaissais le White Cinema parce que je suis déjà allée à Docks pour l'ouverture. C'était quand l'année passée maintenant, au début de semaine, je ne sais plus. Soit, et j'avais bien sûr été voir aussi le White Cinema, mais je n'avais jamais été jusqu'à maintenant dans une des salles. La salle où on était petite, mais il n'y avait pas grand monde de toute façon. Je pense que la sélection des gens qui étaient présents était vraiment assez restreinte. La salle était petite, les sièges sont violets, les dos des sièges sont des dos où on peut se mettre en arrière comme ça. Ça va, c'est pas trop embêtant. Par contre, ce qui est embêtant, je trouve, dans cette salle, c'est que normalement, les sièges de cinéma, de salle de cinéma, ils sont plutôt comme ça pour que les gens là voient bien. Sauf que au White Cinema, ils sont plus comme ça, donc ils sont en fait très bas. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu embêtant quand t'as une personne vraiment grande devant toi, donc qui dépasse vraiment du siège. C'est un peu embêtant d'être à cette inclinaison, mais c'est le seul truc que je pourrais reprocher à cette salle de cinéma, du moins pour la première fois où j'y vais. Voilà. Sinon l'épisode était chouette, l'événement était chouette, les gens ont joué le jeu, beaucoup étaient maquillés, sont fait maquiller par les maquilleurs. Franchement c'était vraiment pas mal, j'espère que BTV refera ce genre d'événement avec d'autres séries. Franchement s'ils le refont et que je suis de nouveau invitée, j'y retournerai sans problème. Et voilà, donc ce fut une bonne soirée. C'était la première fois que je faisais ce genre de vlog et là j'avais envie un peu de vous montrer ce qui se passe un petit peu lors d'un événement un peu particulier parce que je ne suis jamais allée à une diffusion de série et je savais qu'il y aurait une bonne ambiance, je savais qu'il y aurait des animations plutôt intéressantes et du coup je voulais un peu vous montrer à quoi ça ressemblait. Je pense de toute façon essayer de faire d'autres vlogs sur les petits events auxquels je vais. Pas forcément les petits, pour la prochaine je pense plutôt peut-être au press day, puis ça dépend aussi si je peux filmer le lieu, etc., etc., etc. Mais bon, si je sais vous prendre des petits vlogs comme ça sur les events, je le ferai dès que je peux, de toute façon, pour vous montrer. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques et à me dire bien sûr ce que vous avez pensé de la saison première de The Walking Dead et si vous attendez la suite comme moi avec impatience. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite bien sûr une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Salut !